Salut Marie-Claude et Nathalie, c'est le petit garçon en question. J'ai rasé le museau hier. Là, je vais le laisser faire pipi. Je viens de le réveiller. Oh, il fait pipi juste à côté. Poutilou! J'ai rasé son museau hier. Son corps, je vais le faire la semaine prochaine. Fait qu'il va être pareil comme son papa. Regarde. Les couleurs, moi je dis bronze là, mais c'est, ouais c'est bronze, il est plus foncé que son papa. Son papa il est abricot et blanc, et rose qu'on dit. Ouais, des petites faces. Regarde bien, attends, je vais le mettre sur eux. Il est pas mal airé, fait que sa crête, elle va... Elle vient jusqu'ici. Elle vient jusqu'ici. Fait que là, elle va pousser et elle va tomber sur ses épaules comme sur Jack. Ça ici, ça va être rasé. Ses pattes, c'est la même chose. Les pattes, on laisse jusqu'au genou. On laisse le poil pousser. Puis ici, on vient raser. Comme ça. Fait que c'est le petit garçon. Là, c'est beau. Comme tempérament, son papa donne beaucoup de son tempérament calme à ses chiots. Fait que c'est un petit chiot qui va être bon à jouer comme tous les bons chiots là, mais un quadruple là, c'est tranquille, c'est très 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 docile. Mais tu connais déjà la race des chiens chinois, c'est la même chose. Extrêmement intelligent, très docile. Fait que ça va super bien pour l'éducation. Oui, c'est des chiens colleux, hyper sensibles, sensibles dans le sens de sensibilité émotive. Ils nous aiment tellement, ces chiens-là, ils ne veulent pas nous décevoir, ils sont gentils. Mais vous connaissez la race, fait que ça va bien. OK, bye bye!